Bien, coucou YouTube. Aujourd'hui, on est le 8 décembre et donc on va ouvrir le calendrier de l'Avent et puis comme d'habitude, eh bien direction l'école parce que jeudi, vendredi, c'est mes jours d'école. Qu'ai-je reçu? Qu'ai-je reçu? Ah, mystère, tu veux savoir? Eh bien, on va regarder ça. Nous ne sommes pas le 8 mais le 9 décembre. Je raconte n'importe quoi. Oh, ça m'a l'air tout mignon. Ces 10 petites étiquettes cadeaux. C'est mignon, c'est sympa. Why not? Non, tu feras pas un truc que tu veux pas faire. Non. Maintenant, jette-toi de l'image. Allez, je vais danser avec toi. Tu peux le faire la semaine prochaine si tu veux. Là, oui, la semaine prochaine, ce sera mieux parce que là, voilà, tout de suite. Peut-être que je vais aller voir un musée, je vais faire, on va faire ça. Voilà, mais exactement. Voilà, ça, donc, ici, ce qu'on a fait, c'est une peinture d'art abstrait. Donc, voilà, on va se la montrer d'abord. En fait, j'essaye de voir si elle donne mieux dans quel sens. Elle veut savoir dans quel sens elle donne mieux. Moi, il n'y a qu'un seul sens. Moi, il n'y a pas de. Enfin, en fait, on peut la prendre dans tous les sens. Voilà, comme ça on voit ton œuvre, c'est quand même mieux. Alors, t'as vu, on la voit. T'as vu, on la voit. Tout sera posté sur notre page. Qu'allons-nous faire? Le calendrier de l'Avent. Ça fait psychopathe. Oui, on est des psychopathes. Alors, qu'est-ce qu'on va tuer aujourd'hui? On va crever un demi-œil d'Elsa. D'Elsa, ok. On va décapiter légèrement à moitié Olaf et à moitié Anna. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Oui, ici on va aussi retirer un petit peu du bout de la robe. C'est violent. Et puis il reste un numéro, le 9. Là, aujourd'hui, bah, on va aussi retirer un petit peu de 13. La poitrine d'Anna. Ah oui, c'est, oui, ouf. En fait, Lorraine est perverse, parce que moi, je pensais pas du tout à la poitrine, je pensais juste à la 13. Mais c'est pas grave. Bon, on va faire dans l'ordre. On va commencer par le 6. Il a plus de chocolat. On a perdu la tanaille. Il est en fait là, quelque part, mais bon. Voilà, c'est pas grave, on va faire le 7. Attends, je vais faire le 8. Bon. Vas-y, fais le 8. Il est où le 8? Le 8 est là. Non, de l'autre côté. Et le 9. Du coup, tant qu'on y est. Voilà. Ah, ils sont tous là. Ben voilà. On se fait plaisir. Hop. Et ben. Ben voilà. Il y a une course et il y a des gens qui courent, hein, comme des payes. Voilà. Les blaireaux. Alors du coup, on s'est dit qu'on allait appeler ce vlogmas les blaireaux lumineux. Mais parce que c'est le soir, du coup, ils ont des stupides lumières clignotantes sur le front pour qu'on les voit bien. Tu sais, comme les mineurs, là, tu vois. Comme si c'était ça qu'il fallait. Mais les mineurs qui voient la mine, hein, pas les mineurs qui ont... Pas des jeunes de moins de 18 ans. Oh. Donc, Et c'est pure FM. Pure FM. Maintenant, je crois que j'ai... Non, j'ai pas mis mes quatre cheveux, ça. Ça va faire à peu près... une bonne vingtaine de minutes qu'on est coincé au même endroit à cause de cette course de blaireaux lumineux. Voilà. Et le monsieur devant a même éteint son moteur, j'avoue que j'hésite aussi. Voilà.
elle est mise en neutre et tout, j'ai refait le frein à main, voilà, mais fuck quoi. Il va rater son train. À l'aide, à l'aide. Enfin, on en a un qui sort et qui va voir ce qui se passe. Enfin. Faut bien s'occuper, hein. Fou, on est enfin sorti de cette voiture. J'ai dû aller me garer, c'était pas possible de rejoindre le centre avec cette course de blaireau. Pas possible, mais vraiment pas possible. Et là, Nathanaël veut passer devant chez Action. Ouais, et la poste est à vendre à la Louvière. La poste est à vendre à la Louvière. Si ça vous dit d'acheter la poste, no problème, vous téléphonez, Nathanaël a le numéro. Il vous demandera si vous êtes gentil.